Bien, salut tout le monde, c'est LipodGamer172, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on est sur du Minecraft Pocket Edition. Donc je sais que vous l'attendez tous, une vidéo sur Minecraft Pocket Edition, donc tuto Redstone cette fois-ci. Donc ça fait longtemps que j'en ai pas fait et je me suis dit pourquoi pas vous en faire un. Donc avec un T flip flop, donc un T flip flop, si vous ne savez pas ce que c'est ceci. Donc avec un bouton, vous savez que si vous avez un bouton et que vous avez de la Redstone avec... Hop, ici une lampe, que vous activez cette lampe. Alors je vais mettre un peu plus fort le son. Non. Si jamais vous activez cette lampe, elle reste active pendant un moment, vu que le bouton est actif pendant un moment lui aussi, et s'arrête. Mais avec ce système de T-flip-flop, donc pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est, hop, simple. Donc c'est aussi simple que ça. Donc vous appuyez sur le bouton et hop, vous avez votre... votre lampe qui est éteinte, ou si jamais vous appuyez sur le bouton, elle reste allumée même si le bouton est désactivé, et ceci est toujours activé. Vous voyez que c'est un système vachement stylé et très très simple à construire. Après vous avez plus que vous avez plus qu'à boucher comme ceci, hop, par exemple, et on ne voit pas le mécanisme, et hop, vous pouvez à chaque fois activer désactiver sans que le bouton vous fasse un peu chier. Donc ça peut être utile pour les portes, etc. Donc voilà, donc c'est très simple. On va commencer à build tout ça. Donc tout d'abord vous allez poser un bloc, donc un simple bloc avec le bouton. Donc c'est très très simple à build, hein, comme je vous l'ai dit. Donc avec le bouton vous allez placer ensuite, hop, un répéteur comme ceci, avec deux redstone. Donc je tiens à préciser que c'est un modèle que j'ai trouvé sur YouTube et donc il ne vient pas de moi. Donc voilà. Donc ensuite vous allez placer juste ici, hop, un bloc. Ici, une torche avec un bloc au-dessus. Deux blocs ici. Voilà. Très très simple. Vous pouvez, n'hésitez pas à, si vous n'arrivez pas à suivre, à mettre pause sur la vidéo pour pouvoir faire ce que je fais attentivement. Un bloc au milieu avec, hop, ici, deux blocs sur les côtés. Voilà. Et vous cassez le bloc du milieu. Voilà. Maintenant, vous pouvez mettre une torche ici. Mettre un répéteur ici. Voilà, et répéteur ici, comme ceci, et ensuite poser, hop, la redstone ici. Et vous voyez que la texture du répéteur ici a changé, donc du coup celui-ci, est verrouillé. Et ici, vous devez mettre le répéteur à deux tics. Voilà, et là vous avez votre petite machine assez sympathique. Vous avez plus qu'à descendre le courant de redstone jusqu'ici, et non, jusqu'ici, hop, voilà, et ici, posez votre lampe. Ensuite, vous n'avez plus qu'à appuyer et la lampe s'éteint ou se rallume. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du tutoriel Redstone. J'attends 200 likes, ça serait super. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était iPodGamer172. Allez, bye tout le monde.